Aïe, Mbolanoué. Bon, là, je suis en face l'entrée du camp de Gaulle, précisément au jardin botanique, là où était la salle d'entraînement des groupes d'animation du Gabon, Nkolengong, Mikwanya, Kounabeli, et j'en passe. C'était là, leur salle d'entraînement, d'où les femmes-là, les Gabonaises, venaient bouger les fesses en longueur de journée, sans vision, sans voir plus loin que le bout de leur nez. Là où les enfants qui sont en prison là, les enfants impolis, arrogants, sont venus placer des tentes. C'est comme ça qu'ils ont vu le Gabon durant des années, d'où ils étaient là au pouvoir. C'est comme ça qu'ils voyaient le Gabon et les Gabonais. Lorsque tu vois la maquette, tu vois de ces structures là. Non, mais sur le terrain, c'était les chantiers en feuilles de paille, c'est-à-dire les bâches. C'est comme ça que vous avez vu les Gabonais. Et quelqu'un viendra quand même dire non, je suis candidat. Et pourtant, vous étiez parmi les gens qui ont pillé ce Gabon-là, qui se sont moqués des Gabonais. Voici, ça c'était la salle de groupe d'animation du Gabon, la salle d'entraînement, Beba Chassi, sous les bâches. Et tu voyais les pères de famille, les mères de famille transpirer comme des porcs. Adebenji. Et chier ton nul Adebenji. Voici. Hein? C'est comme ça que ces enfants qui sont en prison, le pouvoir déchit. C'est comme ça qu'ils voyaient le Gabon et les Gabonais. Regardez. Voilà. C'est là où était leur salle. Leur salle de vampire. Ah, c'est là où ils sortaient en vampire. Et quelqu'un viendra demain pour dire, non, je suis candidat. La personne qui essaie de voter non au référendum, que le feu du bouti sur toi. La personne qui va essayer de voter non au référendum, le feu du bouti sur toi. Tu feras trois fois rien dans ta vie. Parce que, sincèrement, voici la moquerie des gens qui sont en prison. Le pouvoir déchu, c'est comme ça qu'ils ont vu le Gabon et les Gabonais. Une grande salle, en disant que oui, sincèrement, cette salle est climatisée. Vous allez voir ce qui va sortir là. Donc, c'est une bâche. Bâche Mindzim. Les mêmes bâches qu'on pose quand il y a les malheurs. Et des gens venaient, les femmes venaient, des Gabonaises, venaient pour tourner les fesses en longueur de journée. Mais quand Olirangaba arrive pour changer tout ça, mais il y a quand même des personnes, des vampireux, des sorciers, qui viennent quand même critiquer le président de la République gabonaise. Mais vous allez vous fatiguer. Voici la réalisation. Il a tout cassé. Hein? Il ne fait pas comme Ali Ben. Ali Ben a cassé tout ce que son père a laissé en bien, en croyant bien faire. Mais c'était pour construire les bâches. Mais Olirangaba, lui, il enlève tout ce qui est comme feuille de bananier, tout ce qui est comme feuille de tarot, tout ce qui est comme feuille de paille, les choses qui ne durent pas là. Il est en train d'enlever tout ça pour mettre les choses dans l'ordre et dans les normes, pour que les gens puissent crier. Là, vous n'avez encore rien vu. La société Mika Service, ce que cette société-là va faire sortir là. Non! Incroyable, mais vrai. Voilà, vous voyez, ça c'est l'œuvre de la société Mika Service. J'avais vu une vidéo d'où quelqu'un qui n'est pas dans les BTP, qui ne connaît rien en BTP, vient quand même faire une vidéo pour dire la terre des terrassements, Mika Service remet la même terre. Mais tu ne connais rien. Si déjà même la fabrication de balais en tige, tu ne connais pas. C'est-à-dire fabriquer les balais en tige, ce qu'on fabrique avec les feuilles de cocotier, tu ne connais pas. Ou bien les feuilles de palmier, tu ne connais pas. Les branches de palmier ou les branches de cocotier, tu ne connais pas fabriquer les balais en tige de ces branches de cocotier ou palmier. Mais tu viens quand même parler des choses qui te dépassent en disant, oh, Mika Service, en train de remettre la même terre qu'ils ont enlevée, ça c'est quel terrassement. Vous voyez bien maintenant, toi qui avais parlé, allons donc, esprit de laisser jeu sur toi, ça n'a qu'à sortir. Phénomène, oui, vraiment, vous voyez, ça c'est la demande du président de la République gabonaise, son excellent Brice Clotaire-Olirangaba, ce qui va sortir là comme rond-point, ce qui va sortir là comme échangeur, Dieu seul sait, dans ce Gabon. Et quelqu'un, et ces imbéciles-là viendront quand même pour dire, il faut voter non au référendum, il faut voter non au référendum, il faut voter non, hein. Allons donc que vous souffrez, que le feu du bouti sur vous, le feu du bouti sur vous, les gens qui vont voter non au référendum. Ça c'est la société Mika Service, à la demande du président de la République gabonaise. Hein? Cette société dont les agents travaillent nuit et jour, sous le soleil, sous la pluie.
Une fois le président de la République gabonaise, son excellent ministre Clotaire Oligangama donne l'ordre, la société Mika Service exécute cette société, cette grande société que l'on veut toujours balancer les épines. Mais pourtant les gars travaillent. Cette société travaille nuit et jour. Vous allez voir ce qui va sortir là. Du jamais vu dans ce Gabon. À la demande du président de la République gabonaise. Voici quelqu'un qui aime son pays. Voici quelqu'un qui aime le Gabon. Voici quelqu'un qui aime les Gabonais. Voici quelqu'un qui écoute la demande des Gabonais, des pleurs des Gabonais. Le président de la République, son excellence Brice Clotaire Oligangama. Hein? Voilà, voici les travaux. Même pas, en espace, même pas de 3 mois. Regardez ce que la société Mika Service a déjà fait. Mais dans 6 mois, vous allez voir la roue qui va sortir là, on a jamais vu ça en Afrique. Hein? Ça c'est la personne qui aime l'amour de son pays, Oligangama. Et les gens viendront dire, nous sommes des candidats. Nous sommes des candidats. Allons donc, tu n'arrives pas d'abord à régler les problèmes de ta famille. Tu n'arrives pas d'abord à régler les problèmes de ta famille. Hein? Mais c'est candidat que tu viens être, que tu veux être. Pour faire quoi? Toujours que pour piller. Piller le Gabon. Non, à me tirer de coups. Un peu viande, un peu peau. C'est fini. Vous avez assez volé comme ça. Sincèrement, vous avez assez volé comme ça. C'est bon, c'est fini. La personne qui est candidat, qui sait que qui était au pouvoir, hein? Dans ce pouvoir déchu, tu es candidat, tu vis à Kango, je te bastonne, point barre, ma guiroua, je te dis. Ici, il n'y a pas à faire, laissez d'abord Oligangama travailler. Pendant 20 ans, il finit, maintenant vous serez des candidats après. Mais pendant 20 ans, il doit d'abord travailler, transformer le pays là. Ce que vous n'avez pas pu faire en 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Mais Oligangama est en train de réaliser ça en un an. Mais malgré ça, non. Malgré ça, vous voulez quand même monter au créneau pour dire nous sommes des candidats, machin. Et il faut être candidat, hein. Il faut être candidat. Ce sont vos parents qui vont vous voter. C'est ta femme, ton père et ta mère, tes enfants qui vont te voter. Un Gabonais conscient, un Gabonais qui sort de la souffrance ne pourra jamais vous voter. Parce que vos projets étaient en feuilles de bananier, en feuilles de tarot. Mais Oligangama a tout brûlé. Tout ce qui était comme projet de feuilles de tarot ou feuilles de bananier là. Oligangama a tout brûlé. Il est en train de réaliser les vraies choses. Vous avez cassé la démocratie. On n'a rien vu. Vous avez cassé ici. On n'a rien vu. Pauvre casser. Votre but était rien que de casser. Mais Oligangama, il casse, il arrange. Et c'est ça. Voilà ce qu'il est en train de faire là. Hein? On a enlevé votre bâche. La bâche d'où était là où on faisait des réunions de vampires. Les mêmes bâches qu'on met quand il y a les malheurs. Ce sont les mêmes bâches là. Oligangama a tout détruit. Regardez ce qui va sortir là. Dieu seul sait. Et Makafounia viendra dire non, il est candidat. Allons donc. Sombimzum. Dans Mourabou Kouangarv. Yoa. La personne qui va merder Oligangama. Prend le feu du bouti dans sa bouche. Salaud.